Salut, salut YouTube, nous revoilà pour un bon retour et retour debunk analyse. Bon, ce coup-ci, ça sera un debunk et non analyse, car pour faire une analyse, c'est pour des mecs qui n'ont pas l'habitude d'avoir des trucs flagrants dans leurs enquêtes, voire qu'ils interprètent mal les choses. Là, on dit analyse. Et comme je connais bien ce personnage, je sais que lui c'est un faker, mais voilà, officiel, je le connais très bien. Donc, vu que je sais qu'il fait souvent des vidéos un peu énormes, pour moi ça sera ce coup-ci un débunkage. Et je vous montrerai un montage facile à faire. Bon, je vais lancer cette vidéo, je vais vous la laisser entière. Ou voir peut-être je sauterai une petite partie par là et pour ne pas que cela soit trop long. Donc allez, je vous lance la vidéo. Oh. Just got back inside the house. I was putting my daughter on the bus. And I came in, nobody else is here, and I'm hearing something. Là en gros il dit à peu près qui en fait, qu'il attend des bruits chez lui, voilà. Surtout à un endroit où il va montrer. Voilà. Voilà. Hello? C'est impressionnant. Hein? Bon, allez, pause. Voilà, maintenant, et je vais vous dire que. Mais mince alors, moi aussi. Oh là 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 là. Moi aussi, j'ai eu des problèmes paranormaux. Alors, attendez. Je reviens derrière. J'ai filmé ce matin, là, avant de partir. Et voilà quoi. Je connais l'histoire de l'entité là. Attendez, je vais monter le son. Je vais monter le son. Pour bien entendre. Quoique à 12, c'est bon. Non, à 12, c'est bon. On va l'entendre. Allez. Voilà. Pendant que j'étais en haut des marches d'escalier, des escaliers, voilà comme du bruit des pas, du bruit des pas de fantôme. J'ai mis des pas parce qu'il y a plusieurs mesures, il n'y a pas un pas. Enfin, moi je parle comme ça. Des pas d'un fantôme d'enfant s'en allait. Hop, il partait. Voilà. Donc je vais monter le son. Ah ouais, j'ai un truc aussi. Oh, attendez. Et là, j'ai cru tomber des pommes, hein, vomir, pipi et tout. Hein. Pas ça la nina, voilà, hop. Et ben non, tout ça c'est du flan. Je vais vous faire montrer comment j'ai fait ça. Alors je vais prendre ma propre vidéo, celle ci je suis où là, là, paf. Alors attendez, je regarde si c'est bien ouais, c'est bien ça, c'est bon. Bon, c'est facile à faire. Là. Plus personne, mais ça. Il n'y a plus personne. Bordel de bordel. Plus personne, plus personne. Vous allez voir que certains enquêteurs, et d'ailleurs Cédric Osterbeck, si tu m'entends, eh bien, t'avais dit la même chose que moi une fois. À plein live, on peut le faire aussi. Il suffit que vous fassiez ce genre de truc. Mieux. Avant d'attaquer le live, vous enregistrez vos bruits de pas. Et avec votre téléphone qui est à côté de vous, vous déclenchez le bruit de pas en plein live. Mais en mode Bluetooth, avec un petit baffle Bluetooth au plus loin. Parce que si vous mettez avec le téléphone, on va entendre que c'est à côté de vous. On n'a pas l'impression que c'est devant quoi. Donc vous mettez un Bluetooth caché par là. S'il fait des lumières, vous le cachez bien sûr. Mais voilà, même comme ça, voilà, ça marche aussi. Hein.
Donc voilà. Et vous allez voir comment j'ai fait. Oh! Eh bien non, c'est une balle, c'est pas une petite fille. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Bon, j'ai plus à quel moment j'avais coupé. Voilà, on va couper. Allez. Ici. Paf. C'est tout simple, c'est tout con. Voilà. Tout ce qui est débunker et enquêteur, si vous voulez débunker ça, allez-y. Hein. Et là, pour effacer le carré, c'est tout simple. C'est tout simple, tout simple. Alors, je vais. C'est ici. J'efface. Magique. Hein. Voilà. Plutôt que s'emmerder de mettre un largeur, effacer et tout. Non. Alors, vous allez ici. Ensuite, vous allez audio. Moi, j'avais mis à 200. J'avais mis pour faire ce montage-là à 200. Là, je vais le mettre à 200 pareil. On va pas chipoter. Alors, voilà. Et là, bizarrement. Quoique, attendez. Pour faire bien voir que ça marche. Hein. Allez. 495. Regardez bien. Au revoir. Voilà. Donc, en fait, 495, je vous le conseille pas parce qu'on entend ce truc-là apparaître le son. Vous entendez le truc? Donc, il faut mettre au même niveau qu'ici. Sauf si vous mettez une musique arrière au fond pour cacher le commencement du truc. Donc, ouais, on va faire comme ça. Alors, attendez. Alors. Bon, je pensais que cette vidéo va être courte. Hein. Et plus tard, je ferai une vidéo où j'explique la différence qu'il y a entre debunk, auto-debunk. On dit jamais auto-debunk déjà. Parce que quand on dit auto, je me auto-debunk, ça veut dire que vous allez avouer que vous avez fait du fake dans cette vidéo où vous allez montrer vos aveux. Voilà, j'ai fake ici, j'ai fake ici, j'ai fake ici. Non, on ne dit pas comment ça, on dit auto-analyse. Auto-analyse, ça veut dire, voilà, pendant cette enquête, j'ai eu ce truc. Sur place, je n'ai pas su analyser à ce moment-là. Donc là, je vous fais voir une vidéo auto-analyse pour essayer de clarifier ça. Voilà, j'auto-analyse ma mauvaise interprétation. Après, vous avez analyse, contre-analyse, contre-debunk. Vous avez analyse. D'autres vidéos d'enquêteurs, exemple, je prends Miroir de Morgan ou John Farrell ou tant d'autres, Régis Raziel ou des poteaux, quoi. Voilà, je sais que faut pas de fake, ils pourraient très bien mal interpréter les choses. Donc, je fais une analyse sur leurs vidéos, comme Projectivity, tout ça, sur leur mauvaise interprétation pour les aider. Voilà, je auto-analyse leur erreur d'interprétation. Par contre, d'autres enquêteurs qui font pas forcément enquêteurs du paranormal, hein, ça peut être Urbex ou TPMP ou voilà. Je sais qu'ils font du fake officiel, donc je vais débunker ces fakers. Voilà, c'est autre chose. Après, bon, je ferai une vidéo sur ça. Voilà, désolé aux amis que j'ai cités, c'est pour un exemple. Hein, voilà, moi le paranormal français, j'ai pas envie de débunker sur ça ni analyser. Hein. Je vais faire que de l'étranger pour l'instant, si bien d'aller voir ailleurs un peu. Et à la base, moi, c'est ça, je fais tout. Voilà, tout ce qui est dans le monde et toute catégorie. Voilà, bon, vous avez compris comment j'ai fait pour faire ceci. Voilà. J'ai fait qu'une vidéo. Donc, en mettant la 200, et encore même là, on entend un peu le. Il est à combien lui? Il est à combien à la base? Bon, il est à 100. On va le mettre à 100. Je crois que j'ai fait une connerie dans la mienne, quoi. Oh, attendez, ça va plus vite. Hein. Hop. Là, vous allez voir que du feu.
encore là. Voilà. Pour essayer de camoufler le commencement de ce truc. Alors attendez. 50 ans, ça va faire un peu faible, mais bon. Parfait. Voilà. En fait, quand vous faites un truc comme ça, lui, s'il est à 100, admettons, ou 200, vous faites à la moitié. Alors vous mettez à 50. Et là, on n'entend plus le truc. Voilà, on n'entend plus. Et un petit coucou au confrère Tonton TV. Enfin, c'est plus Tonton TV, c'est Oretaran. Voilà, si je le dis bien. Voilà. Et merci discuter avec lui. Et très belle analyse sur Morgan Priest. Franchement, un chapeau. Bien parlé. Voilà. Voilà. On a notre petit fuck. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez. Je vous remercie. Je dis bonjour à tous mes amis, poteaux du paranormal, urbex, gamer, tout ça, et à mon entourage qui me fait mon peu d'entourage qui me soutient. Voilà. Donc allez voir l'équipe Raziel, Miroir de Morgan, Yorok, John Farrell, des mecs comme ça. Vous passez du bon temps avec eux. Et à un moment donné, il y en a beaucoup qui font des contacts des fun. Allez voir d'aller bon quoi, voilà. Voilà. Et après, bonjour à Cédric Osterbex, tant d'autres. Bon, j'ai dû en oublier. Détective Dentaouma aussi. Et tout ça, tout ça, tout ça. Allez, je vous dis à bientôt. Et là, ici, je vais mettre au fait mon petit générique de fin. Mon petit outro. Voilà. Merci, mes modos et Patrick Goffin. Voilà. Je vous dis à bientôt et montage fait devant vous. J'ai plus qu'à enregistrer. Et voilà. Allez, ciao.